Oui. Ah oui, effectivement, je m'entends. Bonjour à toutes, donc on est en direct du salon Création et Savoir-Faire. Je m'appelle Martine, je suis la brodeuse donc pour artisane. Vous me retrouvez dans les cours de broderie et aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de broderie or. Je vais vous présenter peut-être le matériel avant toute chose. Voilà, donc ce que c'est que la broderie or, vous voyez je porte une petite abeille hein, qui fait partie du cours. C'est un cours qui vous permet de démarrer en broderie or, donc on va partir de zéro en quelque sorte, jusqu'à aller jusqu'à l'oiseau. Enfin, il y a trois objets, il y a la lune, l'abeille et l'oiseau. Donc l'oiseau est la pièce la plus aboutie que l'on vous propose. Alors, pour faire de la broderie or, il vous faut des fournitures bien particulières qui s'appellent Canty et Jaseron, que vous allez justement pouvoir trouver sur le salon chez Nilam. Vous voyez, c'est cette marque-là. Sur le salon, c'est la laissée et le stand 30. Je vais vous montrer exactement la fourniture. Donc, la première chose, c'est de la Canty. Vous voyez, j'en ai là. Donc, ça se présente comme ça. Ce sont des petits brins de choses métalliques. Donc celle-ci est frisée. J'ai la même chose en lisse. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire du remplissage sur notre broderie. Vous voyez, donc on a de différentes couleurs. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a plein de choses, plein de choix. Donc à vous, après on appelle broderie or, mais en fait il peut y avoir différentes couleurs. À vous de choisir ce qui vous plaît. Donc ça, c'est ce qui concerne la Canty. Et vous avez également ce qu'on appelle le Jaseron. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus rigide par rapport à la Canty. Et on ne va pas le travailler de la même façon. Et le Jaseron sert à faire les contours au niveau de notre broderie. Donc je vais vous montrer comment elle se travaille, comment le Jaseron se travaille. Alors la broderie or, en fait, vous en avez déjà vu, j'en suis certaine, vous en retrouvez sur les vêtements ecclésiastiques, donc il y avait énormément, il y en a encore beaucoup de choses brodées en broderie or, c'est tout ce qui brille, et au niveau chez les militaires également, toutes les insignes, les parties qui sont sur les casquettes, les épaulettes, la plupart du temps c'est réalisé en broderie or avec de la Canty et du Jaseron. Donc pour artisane, on s'est réapproprié cette technique, qui est quelque chose de très classique, avec des codes bien particuliers. Et on a fait en sorte de pouvoir la réaliser, enfin de se l'approprier pour le loisir créatif, hein, puisque le but de artisane, donc ce sont des cours pour ma part de broderie, mais il y a également de la couture, du tricot, il y a des arts graphiques. Donc concernant la broderie, c'est ma partie. Et ça vous permet de vous approprier quelques techniques réellement dans le cadre du loisir créatif. Alors on va partir, je vais vous faire une petite démonstration donc, pour cette abeille. On va travailler sur de l'organza de soie. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on trouve couramment. L'avantage de ce textile, c'est qu'il est assez raide, pas du tout extensif, pas du tout stretch. Et également qu'il est plutôt transparent. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'avec les documents qui sont inclus dans le cours, donc ce sont des documents en PDF que vous pouvez télécharger, que vous allez imprimer, vous aurez tous les patrons pour réaliser ce que l'on vous propose. En l'occurrence, là, c'est la petite abeille. Vous allez reproduire, alors je ne vais pas le faire sur celui-ci parce que je suis obligée de le mettre à l'envers, mais vous allez reproduire par transparence avec un stylo permanent, un feutre permanent très fin. Vous allez redessiner simplement le patron de ce que l'on vous propose de réaliser. Donc c'est ce que j'ai fait sur cet ouvrage-là. J'ai d'ailleurs commencé à travailler en posant de la Canty frisée. Donc vous voyez que ma Canty frisée, elle est toute bosselée en quelque sorte, elle attrape la lumière différemment que de la Canty lisse. En dessous, on travaille avec du bourrage. Donc les bourrages, enfin on n'est pas obligé, hein, certaines parties sont avec du bourrage, d'autres sont sans bourrage. Le bourrage, on utilise pour notre part de la feutrine, mais traditionnellement c'était du carton, mais le carton est quand même beaucoup plus difficile à poser que la feutrine, donc c'est pour ça qu'en loisir créatif, on se contente de la feutrine qui fait très bien le job. Donc en l'occurrence, pour le corps, vous voyez qu'il est un petit peu en relief. Eh bien, vous avez en réalité deux épaisseurs de feutrine. Donc, vous avez tous les gabarits qui sont fournis également avec le cours que vous pouvez retrouver ici, ce qu'on appelle les découpes. J'ai posé déjà ma cannetille frisée, donc maintenant je vais devoir terminer la pose de mon jaseron autour de la forme, autour du corps de l'abeille avant de passer à la suite, c'est-à-dire à la broderie des ailes. Donc le jaseron, comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est quelque chose d'assez raide, c'est un espèce de ressort. Donc pour le poser, on vous explique bien sûr tout ça en cours. Il va falloir l'étendre un tout petit peu. Bon, donc là j'ai déjà tiré dessus, mais par exemple si je le prends par ici, il est encore intact. Il faut pouvoir l'étendre un tout petit peu. C'est comme un espèce de ressort qui ne va pas revenir en place. Et vous voyez que vous avez des spirales. Donc vous allez travailler dans ces spirales. C'est-à-dire que là, le fil va venir à cheval dans les spirales et c'est ça qui va vous permettre de fixer le jaseron. Allez, je vous montre. Donc vous avez besoin d'un fil, un fil à coudre classique que vous mettez double. Et vous voyez que quand je vais faire mon petit point, je vais venir le faire à cheval sur mon jaseron. Et donc le fil va se glisser dans les petites spirales. Et c'est ça qui va faire tenir cette fourniture. Donc je fais des points qui sont espacés à peu près de 5 mm. Voilà. Oui, oui. Puisque tu seras là le 12 décembre à Paris, oui, pour animer des ateliers broderie or et la oui, broderie traditionnelle, quel est ton programme l'après-midi? On va travailler sur des fleurs, donc ce sera de la broderie traditionnelle avec du fil, donc rien à voir avec la broderie or, et on va travailler sur des fleurs, voilà, ça va dépendre de votre niveau en fait. Je vais vous proposer un atelier évolutif. Si vous êtes réellement débutante, on va démarrer avec des fleurs simples. Si vous êtes déjà avancée, à ce moment-là, les fleurs seront un petit peu plus compliquées. Je vais m'adapter en fait, hein. Ce sont des ateliers avec 5-6 personnes, je crois, maximum. Donc chacune aura quasiment un cours particulier. C'est le 12 décembre, donc chez Artesane, rue Maillet à Paris. Vous pouvez réserver ces ateliers donc, sur le site ou même au salon, hein, exactement. Donc le matin à 10 h, c'est de la broderie or. Donc on fera une petite pièce de broderie or. Donc les fournitures sont comprises dans l'atelier. Et l'après-midi, c'est la broderie traditionnelle. Donc là avec du fil habituel, le fil DMC mouliné, peut-être un peu de fil métallisé également, de chez Auvert à Soie. Voilà. Donc vous pouvez effectivement réserver les ateliers, je crois qu'il reste encore quelques places, ou sur le salon ou sur le site Artesane directement. Mais les places sont limitées, hein. C'est vrai qu'après, une fois que l'atelier est complet, c'est complet. Je vous en prie. Donc je reviens à ma pose de jaseron. Donc alors la broderie or, c'est pas très difficile, c'est surtout minutieux. Donc il faut prendre son temps pour faire ça le plus proprement possible. Bon, alors là c'est vrai qu'on n'est pas dans le contexte idéal, on est sur le salon, il y a du passage. Voilà, j'essaie d'avancer le plus rapidement possible pour vous montrer le plus de choses possible. Mais ça, c'est donc l'étape après la pose de la cannetille frisée sur le corps. Hop, forcément mon fil va faire des nœuds. Je ne vous ai pas parlé des aiguilles. Alors, pour travailler la cannetille, moi j'utilise des aiguilles mode ou milliner. En fait, c'est mode en français, milliner en anglais. Ça va dépendre de quelle marque vous allez trouver dans votre mercerie. Ce sont des aiguilles qui sont faciles à trouver. Vous voyez, elles sont là. Voilà, donc elles ont la particularité d'être relativement longues, d'avoir un chat assez fin et donc la cantille, puisque vous allez voir qu'on va passer à travers la cantille avec l'aiguille, le trou de la cantille va être, enfin en tout cas l'aiguille va être suffisamment fine pour passer dans le trou des cantilles. Donc l'idéal c'est de prendre des assortiments comme j'ai là devant moi, ce qui fait que vous allez pouvoir choisir la bonne taille en fonction de la fourniture que vous avez à poser. Alors pour travailler la broderie, moi je vous conseille d'avoir deux paires de ciseaux. La première paire sera la paire que vous utilisez traditionnellement pour la broderie, donc c'est des petits ciseaux bien précis. Par contre, comme la cantille et le jaseron, c'est du métal en quelque sorte, je vous déconseille de couper votre jaseron et votre cantille avec vos ciseaux de broderie. Vous voyez, ça ce sont mes ciseaux de broderie, ça ce sont mes ciseaux qui sont un peu moins précieux et donc il va falloir, voilà, à ce moment-là, vous voyez que je suis arrivée au bout de la pose de mon jaseron, je vais le couper. Alors c'est un petit peu dur, hop, vous entendez claquer, c'est du métal. Et là maintenant, je vais venir terminer de poser les derniers petits points pour mettre en place mon jaseron. Hop. Voilà, je me concentre pour les derniers petits points. Ah, merveilleuse blouse, Martine, merci. Alors ça, c'est une blouse que j'ai brodée grâce au cours de... Bon, je brode les fleurs avec Martine, donc c'est de la broderie traditionnelle. Je l'ai adaptée, alors enfin j'ai adapté, vous voyez, on retrouve les roses, on retrouve ces petites fleurs qui sont ici. J'ai adapté le motif pour suivre le feston de cette blouse. Et cette blouse, le patron, vous allez le retrouver dans le Mozze et Travaux hors série qui est sorti il y a très peu de temps en librairie, enfin dans les kiosques à journaux. Et donc c'est la blouse Léonie. Voilà, je vous ai tout dit. Donc elle est bien sûr proposée sans broderie hein, sur le Mozze et Travaux. Mais moi j'ai tout de suite, quand j'ai vu ces festons, j'ai tout de suite eu envie de faire une petite frise festonnée. Je pense que d'ici quelques semaines, en fait, quand Artisane se sera remis de tous ces salons, de toutes ces animations, on va probablement inclure dans le cours de Je brode les fleurs avec Martine la guirlande pour que vous puissiez vous la réapproprier et réaliser également cette broderie. Donc vous voyez, j'ai terminé de broder mon jaseron, donc je vais arrêter mon fil. Hein. Donc le dos de la broderie est jamais très beau. Vous voyez, il y a des fils un petit peu de partout, c'est normal. De toute façon, une fois que la broche sera terminée, vous ne le verrez plus puisque ce sera recouvert par la feutrine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cours, dans le cours de broderie, vous avez également les explications pour le montage de la broche jusqu'à l'objet fini. Hein. Allez, je vais changer de fil. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant que le corps de mon abeille est terminé, c'est que je vais poser ma cantille sur les premières ailes. Et donc pour ça, je me suis préparée, d'après un petit gabarit hein, qui est donné dans les PDF comme je vous expliquais, je me suis préparé un petit morceau de feutrine qui va venir se mettre, alors il est plus petit, c'est normal, qui va venir se poser donc à l'intérieur de l'aile pour justement faire encore un petit peu de relief. Alors je ne change pas d'aiguille, je garde toujours ma grosse aiguille millineur, là c'est pas grave. J'ai un fil à coudre basique, on aurait pu prendre du fil coton. Pour tout vous dire, j'ai oublié mon fil, hein. Donc voilà. Alors là, je vais donc fixer ma feutrine comme je vous le disais. Oui, donc je reviens sur mon fil. Là, il y a des annonces qui font du bruit. Moi, j'aime bien utiliser un fil coton, un fil pur coton. Bon, là, c'est un fil de couture basique, celui que vous utilisez pour la machine à coudre, hein, qui fait aussi très bien l'affaire. Il fait peut-être un peu plus de nœuds. Voilà, donc j'applique rapidement ma feutrine à l'endroit où j'aurai ma cantille. C'est juste pour me donner un petit peu d'épaisseur, pour me donner du relief. Donc ça ne se verra absolument pas, hein. Vous voyez, je fais des super grands points. Le principal, c'est que ma feutrine ne bouge pas une fois que j'attaque la pose de ma cantille. Alors, ce que vous pouvez, on travaille sur un tambour à broder en bois classique, mais moi je l'enroule toujours avec du sergé coton, justement pour ne pas abîmer les textiles. Bon, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement. Et en l'occurrence sur la broderie or, l'organza de soie est tellement fin que du coup ça me maintient bien tendu mon support textile. Moi, j'utilise de l'organza de soie, mais vous pouvez aussi très bien utiliser une batiste de coton très très fine qui pourra aussi faire l'affaire, hein. Le principal étant que, voilà, que le tissu soit solide, pas extensible et plutôt très fin et transparent pour pouvoir décalquer. Voilà, une fois que j'ai posé ma feutrine, maintenant je vais commencer à poser ma cantille. Donc en l'occurrence sur l'aile de mon abeille, j'ai une alternance de cantille lisse et de cantille frisée. Voilà, donc je vais commencer par poser ma cantille frisée et ensuite je viendrai poser ma cantille lisse au fur et à mesure. Donc je vais sortir à l'endroit où je veux démarrer ma cantille frisée. Alors, ce que je vous conseille, et ça je l'explique bien dans les cours, c'est de démarrer votre broderie, la broderie de l'aile, au milieu. Parce que vous comprendrez bien qu'il est plus facile d'orienter la cantille quand vous avez une largeur quand même suffisamment importante, plutôt que sur une extrémité où là vous aurez du mal à poser votre cantille dans la bonne direction. Vous voyez, c'est petit, c'est fin, vous aurez du mal. Mais si vous démarrez sur une partie qui est plus large, ce sera beaucoup plus simple. La cantille frisée, l'avantage, c'est qu'elle est très souple, donc du coup, elle est plus facile à poser. C'est pour ça qu'on l'a posée là sur le corps. J'ai fait ce choix-là parce que elle est, voilà, vous pouvez tirer dessus un petit peu comme un ressort. Elle est, vous allez comprendre ce que je vous dis, elle est très souple, elle est beaucoup plus facile à mettre en place que la cantille lisse. Donc là, vous voyez, j'ai mesuré ce qu'il me faut en posant ma cantille frisée sur mon support. Alors j'ai des spots un peu de partout, donc j'ai un peu du mal à voir ce que je fais. Ça c'est les salons, les lumières sont un peu bizarres. Et voilà, je viens poser ma cantille. Là, elle est presque un peu grande, ma cantille frisée. Je l'ai coupée un peu grande. Alors c'est pas grave, je vais ressortir mon aiguille. Hop là, ça ressort tout seul. Je vais remonter un peu ma cantille et je vais la recouper pour l'ajuster. Voilà, là je pense que ça va aller. Vous voyez, et là, voilà, elle est parfaite. Donc vous voyez que ça me permet, comme j'ai quand même une grande longueur à poser, ça me permet de bien la poser dans la bonne direction. Donc je vais repiquer mon aiguille à ce niveau-là. Et j'ai posé mon premier morceau de cantille. Je ressors un tout petit peu en dessous pour poser cette fois-ci ma cantille lisse, puisque j'ai dit que je faisais ma cantille lisse en alternance. Alors c'est une cantille frisée, deux cantilles lisses. On peut faire ce qu'on veut, hein. Je veux dire, ça c'est une décision que j'ai prise. Alors, attendez, je vais ranger ça parce que sinon ça va me gêner. Voilà, mon jaseron, tout ça je le pose. Ça c'est pas la bonne couleur et il me faut ma cantille lisse qui est ici. Alors je vais pas tout sortir, je vais en couper un petit bout. Voilà, vous voyez, la cantille lisse c'est comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus difficile d'ajuster la cantille lisse parce qu'elle n'est pas du tout extensible. Il faut réellement couper ce qui vous convient. Donc vous la posez à l'endroit où vous devez travailler, vous posez votre doigt dessus et vous allez... Alors c'est ça qui est en fait le plus difficile dans la broderie or. Ça va être de couper les cantilles de façon précise. Voilà, mon aiguille est peut-être un peu grosse. Non, ça va, ça passe. Voilà, et donc là, ma cantille va venir se poser à côté de ce que je viens de couper. Voilà, tout simplement. Pareil, elle est peut-être un tout petit peu longue aussi, donc je vais la ressortir. Pareil, hein, c'est toujours la même chose. Elle est là. Voilà, je peux la rajuster. J'ai un peu du mal, c'est vrai, avec toutes les lumières qui sont autour de moi. Je vais lui enlever, c'est très peu, hein, c'est style 1 mm à peine. Hein. Voilà, vous voyez, c'est la difficulté de la broderie. Or, c'est de réellement ajuster correctement les longueurs de cantille par rapport à la surface que vous avez à couvrir. Alors là, je fais un petit point juste pour bien solidifier mon démarrage. Et donc, j'ai encore une barre de cantille lisse. Alors, je vais essayer d'être plus précise. Voilà. Voilà, là ça s'est mieux passé. Maintenant je reprends ma cantille frisée. Alors vous voyez que je coupe toujours mes cantilles avec mes ciseaux orange hein, pour pas abîmer mes petits ciseaux de broderie. Et je vais venir donc petit à petit compléter. Voilà, la cantille frisée va s'adapter parfaitement à la forme. Ouais, donc avant de piquer l'aiguille, hein, vous pouvez vérifier. Ouais, ça doit être bon. Donc bah, là, c'est juste voilà, un jeu de patience pour compléter l'aile. Allez, je vais faire encore un petit bout de cantille frisée. Enfin, le bout suivant, ce sera de la cantille frisée. Et après, je vais vous montrer, bon, même sans poser toute l'aile, hein, parce que vous voyez qu'il faut quand même du temps pour le réaliser. Je vais vous montrer comment réaliser l'aile extérieure sur cette abeille. C'est des aiguilles mode, madame. Des aiguilles longues, bien fines. Hein. Allez, je vais m'arrêter là. Donc, je vais stopper mon aiguiller. Donc vous avez compris le principe. Donc sur la partie du corps, j'ai réalisé exactement la même chose. Donc sur une épaisseur supplémentaire de feutrine pour avoir plus de relief. Et je n'ai mis que de la cantille frisée. Donc c'est la plus facile à poser. Voilà. Pour ça que je dis que cette abeille, c'est le niveau intermédiaire puisqu'il faut commencer à savoir couper la cantille lisse à la bonne longueur. Alors j'arrête avec des petits points derrière de façon assez grossière. Ça, je vais l'enlever, ça sert à rien. Voilà. Et je vais vous montrer comment... Oui, bien sûr, tenez, je vous donne celle-ci. Oui, c'est celui que vous par le dessous et... Non, excusez-moi. Mais regardez, c'est la même chose, madame, là. Oui, mais c'est ça que je veux voir, moi, à l'intérieur. Ah, c'est de la feutrine. La feutrine que vous découpez. Que vous exactement, voilà, exactement. Vous voyez, j'ai un petit gabarit qui est donc fourni en PDF avec le cours. Okay, donc j'ai découpé ma petite feutrine en fonction du gabarit. Et ensuite, vous avez cousu dessus. Oui, voilà, directement un grand point, de façon, voilà, exactement. Donc ça, là, bon, là, je vais vite, c'est une petite démonstration, mais tout ça est bien expliqué dans le cours vidéo, donc chez Artesane. Et donc vous avez là tout le, dans le cours, de façon beaucoup plus détaillée, toutes les étapes pour réaliser la broche. Il y en a 3 de broches dans le cours, hein. Vous avez une petite lune, une abeille et un oiseau. Donc vous connaissez le principe d'Artesane? On est juste là. Donc ce sont des cours vidéo qui sont, que vous achetez, qui sont disponibles ensuite à vie, vous regardez autant de fois que vous voulez, et donc qui couvrent différents domaines. Alors là, je mets un peu la charrue avant les bœufs. Parce que ce que je suis en train de faire, normalement, il faudrait donc avoir terminé les 2 ailes de chaque côté, c'est symétrique. Avoir posé le jaseron tout autour, ce que j'ai fait quand on a démarré tout au début la démonstration. Donc maintenant, je vais poser la cannetille frisée en semi. Alors généralement, moi, ce que je fais, c'est je me prépare des petits bouts de cannetille de différentes tailles. Alors pas trop grand, pas trop petit. Hop, on reste ici par là. À côté, alors j'ai un petit support que j'ai pas là, mais je l'ai coupé là, vous voyez, donc je me prépare ma petite cannetille frisée. Alors c'est plus facile de le faire avec de la cannetille frisée qu'avec de la cannetille lisse. Et ensuite, vous allez venir les prendre une à une et vous allez faire un semi en les posant un petit peu dans tous les sens, en quelque sorte. Ils doivent avoir ce petit semis. Là, ça doit, être posé de façon multidirectionnelle. Pour la dernière aile. Oui, exactement. Voilà, les ailes qui sont sur le côté. Donc, en fait, c'est une autre façon de poser la cannetille frisée. Alors, vous en avez chez Nilam, ils sont sur le salon. Ils sont dans la laissée au numéro 30. Non, il n'y a pas de fourniture. Hein. Il faut que vous achetiez les fournitures de votre côté. Et donc, vous avez dans le cours la liste des fournitures. Vous avez des PDF, en fait, que vous pouvez imprimer, avec la liste fourniture, les patrons, parfois, enfin, voilà, les documents qu'il vous faut pour réaliser les ouvrages. Et ensuite, à vous de faire l'achat des fournitures. Donc, on vous donne des adresses aussi, hein, forcément. Dans les cours, vous avez dans les PDF les adresses où vous pouvez trouver les fournitures. Hop là, attends, je récupère ma cannetille. Pardon ? C'est pas un kit, hein, voilà. Mais la cannetille, vous voyez, c'est 5 € le sachet. Grosso modo, il vous en faut 3 sachets pour avoir les différentes qualités. Avec 3 sachets, vous allez faire, on va dire, 5 ou 6 abeilles. Ah, voilà, il y a vraiment pas mal de fournitures dans chaque sachet. Je crois que c'est des grammes. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas très onéreux, hein. C'est pas, voilà. Et la broderie, c'est plus de, comment dire, la minutie et de la patience, c'est pas très difficile, il faut juste être, voilà, bien minutieuse. Merci. Je vous en prie. Donc voilà, vous voyez, j'attrape mes petits bouts de cannetille, alors, hop là. Et je vais les poser comme ça, en semis, de façon désordonnée mais côte à côte pour couvrir la surface que j'ai à couvrir. Vous allez faire toute l'aile comme ça ? Je vais faire toute l'aile comme ça. En fait, je l'explique dans le cours, la première chose qu'il faut faire, c'est poser le jaseron. Le jaseron. Le jaseron. Et ensuite, on va pouvoir poser la cantille. Bon, là, c'est une petite démonstration, donc je ne fais pas les choses complètement dans l'ordre, mais... Oui, c'est cette matière-là qui... Voilà, c'est ça. Il y a la cantille et le jaseron. Donc le jaseron, c'est comme un petit ressort. Lui, on va venir à cheval, on va venir le broder à cheval, alors que la cantille, on passe à l'intérieur. C'est les différences entre les deux. Et tout ça, c'est expliqué dans le cours. Voilà, mais écoutez, on a déjà bien avancé, donc je vous retrouve demain pour une autre démonstration. Cette fois-ci, je pense que ce sera de la broderie traditionnelle. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Tu nous rappelles tes cours? Alors, les cours disponibles sur Artesane. Oui, les cours sont disponibles chez Artesane. Donc tous les cours de broderie, puisque moi ma partie c'est la broderie, vous allez trouver les cours de broderie traditionnelle, la broderie hors, du bouti, plein de choses. Donc vous avez le catalogue qui est disponible sur le salon. Vous pouvez bien sûr acheter les cours sur le salon, mais vous pouvez les acheter en ligne. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un code promo pour, sur le salon. Voilà, à très bientôt.